Bonjour les filles, alors nous sommes au jour 3 de notre challenge J'écris ma vie et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est très important et je veux que tu saches aujourd'hui que tu as tout pour réussir en toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Parce que souvent quand on a un projet ou un objectif ou quelque chose qu'on veut faire, on a tendance à aller chercher les ressources dehors. On pense que dehors, il y a tout. On pense que chez l'autre, il y a tout. Alors qu'en toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir. Je dis bien tout ce qu'il te faut pour réussir. J'avoue que quand je démarrais Prescanade, je ne savais pas du tout où cette aventure allait me mener. Je savais que je voulais impacter la vie des femmes et je savais que le blogging, donc le fait de tenir un blog, était à la mode, on va dire, et était une manière pour moi de pouvoir toucher le maximum de personnes sans, je vais dire, vider mon compte en banque. Et donc, ce sont ces deux idées-là qui m'ont mené à me lancer. Je voulais impacter les femmes, j'ai choisi un moyen pour le faire. Avec ce que j'avais déjà. J'ai commencé et j'ai vu que ça devenait un peu bizarre. J'ai pris un coach pour m'aider à me réorienter dans ce que je voulais faire. Dès que j'ai fini de bosser avec ce coach-là, j'ai continué mon chemin toute seule. Avec bien sûr des conseillers, des coachs pour m'orienter sur le chemin. Mais déjà, je comptais sur mes ressources propres. Ne pense pas que la solution est ailleurs. La solution n'est ni chez ton mari. La solution n'est ni chez ta voisine ou chez ta sœur qui a peut-être plus réussi que toi. Ou chez ton pasteur, ou chez un homme de Dieu, ou chez un prophète. La solution est en toi. Parce que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Alors, l'exercice d'aujourd'hui. Je veux que tu me dises. Que tu me fasses une liste de tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, peu importe le domaine de ta vie, et qu'en face, tu mettes qu'est-ce que tu as comme ressource pour pouvoir accomplir cette chose-là maintenant. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme qualité? Qu'est-ce que tu as comme compétence? Qu'est-ce que tu as comme capacité pour accomplir cette chose-là? Pour commencer à accomplir cette chose-là maintenant. Tu veux créer ton entreprise? Est-ce que tu as une idée? Comment trouver l'idée? Regarde autour de toi. Pose des questions aux gens. Lis des livres. Sois curieuse. Fouille sur Internet. Tu vas trouver ton idée de business. Tu veux lancer ton business. Tu as l'idée. Tu veux lancer le business. Mais tu n'as pas d'argent. Commence avec les réseaux sociaux. C'est gratuit et il y a des milliers de personnes qui y sont. Donc, tu n'as pas d'excuses aujourd'hui pour ne pas commencer à créer ce que tu veux créer. Tu n'as pas d'excuses aujourd'hui pour ne pas commencer à réaliser tes rêves. Je suis désolée. Tu n'as pas d'argent, commence sur les réseaux sociaux. Offre gratuitement tes prestations à des personnes qui pourront parler de ce que tu fais. C'est déjà la base pour commencer. Je pense que je vais faire bientôt un live sur comment entreprendre sans argent. Et ça va vraiment nous aider. Donc, l'exercice d'aujourd'hui que tu vas faire dans ton cahier, c'est de lister tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, peu importe le domaine, et de mettre en dessous les qualités que tu as pour commencer maintenant, les talents, les capacités, les ressources que tu as pour commencer maintenant à faire cette chose-là. Donc moi, je veux juste que tu me mettes en commentaire un exemple de ce que tu veux faire et une qualité que tu as pour commencer maintenant. Je t'attends. Bisous.